I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh, shit! Oh. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, donc avec beaucoup de petites choses à vous présenter, donc beaucoup de John Carpenter comme vous aurez pu le deviner, mais pas que, donc j'ai un petit peu de 4K, de DVD et de BO. On commence avec la BO, il y en a une qui est en route mais je sais pas du tout quand est-ce qu'elle arrivera, mais c'est une super BO donc j'ai hâte de vous en parler. Donc celle-ci, il s'agit de Princess Mononoke que j'ai pu trouver pour seulement 2,99€. Bon, je l'ai toujours pas écouté parce que j'ai pas vu le film et que je n'écoute pas les BO sans avoir vu le film avant. Voilà. Pour 50 centimes, j'ai pu trouver Le Harcèlement avec Demi Moore et Michael Douglas, donc il était 9 sous blister en cash. Thriller plutôt sympa, donc c'est le genre de thriller qu'on faisait dans les années 90, malheureusement on n'en fait plus trop aujourd'hui des comme ça. Donc je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Hier dans un cash, j'ai pu dégoter ce petit Spider-Man Homecoming en édition Blu-ray 4K, donc qui inclut aussi le Blu-ray simple et le Blu-ray 3D, pour seulement 9,99€. Puisqu'à sa sortie, je voulais vraiment pas mettre le prix fort, donc là, pour 9,99€, en plus la 4K, donc... On passe maintenant à la plus grosse partie de mes achats, donc du Carpenter, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Donc il y a quelques films et aussi un autre truc à la fin, je vous montrerai ça en détail, dont je suis très très content. On commence avec le téléfilm qui retrace la biographie d'Elvis, donc de son enfance jusqu'à une certaine partie, pas jusqu'à sa mort. Donc avec Kurt Russell dans le rôle d'Elvis, qui est plutôt convaincant. Même si j'ai pas accroché au téléfilm, ça reste un bon divertissement quand même, mais bon, faut aimer le personnage, mais moi je m'en fous un petit peu. Trouvé chez JBR dans un bac de déstockage, donc je m'attendais pas du tout à le trouver. Un des deux épisodes réalisés par Carpenter, donc de Master of Horror. Il s'agit de La fin absolue du monde, donc ça tourne autour d'un snuff movie, on va dire. Avec Norman Reedus, donc le Daryl de The Walking Dead. J'ai été agréablement surpris par ce petit téléfilm. Donc c'est des épisodes d'une heure dans cette saga. Tout en sachant que ça va ressortir bientôt en Blu-ray. Bon, j'attendrai une baisse de prix parce que 50€ pour l'intégrale, ça fait un petit peu cher. Donc je pense que je les prendrai tous en Blu-ray. Le Village des Damnés, que j'avais toujours pas vu et que j'ai regardé récemment et que j'ai pas mal apprécié. Avec Christopher Reeve. En plus, il y a un petit clin d'œil à Superman, un petit clin d'œil subtil, mais quand même. Il y a même Mark Hamill dedans, en curé en plus, donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Mais c'est un bon film fantastique, donc je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas vu. Vampire, avec James Woods. Donc j'avais trouvé le DVD il y a un petit moment déjà, mais je suis retombé sur le Blu-ray en cash pour 5,99€, je crois. Donc forcément, je l'ai pris, c'est toujours mieux que le DVD, surtout que le master du DVD n'était pas terrible. En plus de la boîte qui était dégommée, donc forcément... Et le dernier film que j'ai chopé sur Amazon pour un peu moins de 8€, je crois, il s'agit de Dark Star. Donc j'avais commencé à le regarder il y a longtemps, j'avais pas du tout accroché et j'ai voulu me le refaire cette nuit. C'est pareil, j'ai arrêté au bout de 30 minutes, c'est assez compliqué. Je vais le regarder jusqu'à la fin, mais voilà quoi. Et le dernier objet, et non des moindres, il s'agit de ce magnifique bouquin, donc Under Set with John Carpenter. Alors pas mal de photos de tournage, donc ça va de Halloween jusqu'à Christine, donc on passe par Fog, New York 97, Halloween 2 il me semble, et bah du coup Christine donc. Donc on va y jeter un petit coup d'œil un peu plus en détail. We'll be right back.
voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si celle-ci vous a plu ou pas. Lâchez un max de pouces bleus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao les amis, à bientôt.